Putain, mais c'est qui invente les sports? Regarde, moi je peux être champion du monde de ça. Usain Bolt, il court vite, mais que sur 100 mètres. Ça se trouve, il y a un mec qui court plus vite que lui sur 105 mètres. Putain, mais c'est une arnaque, le mec il tient juste 10 secondes. C'est quoi, en base, il doit juste bien doigter. Ça serait marrant de faire des championnats du monde de 1 mètre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'entraîne. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit t'es un champion puisque c'est toi le spermatozoïde gagnant. Ah, putain. Ah, si c'est toi le spermatozoïde gagnant, c'est sûr que t'as triché. En fait, le badminton, c'est le tennis qui a le sida. Comment il s'appelle déjà le sport qui est un peu comme le bowling, là, sauf que la boule, c'est une bagnole et les quilles, c'est des renois? Le Paris-Dakar? Ouais. Un jour, sur un terrain de foot, tout le monde a voulu jouer gardien. C'est comme ça qu'ils ont inventé le rugby. Et un jour, sur un terrain de tennis, ils étaient trop nombreux pour faire un tennis. Et ils n'avaient pas de raquettes. Et du coup, ils n'avaient qu'une grosse balle, tu vois, par rapport à une balle de tennis. Et il y a un mec qui avait mis le filet trop haut, probablement parce qu'il était très grand. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé le volley. Oh, moi, le sport que j'aimais le moins quand j'étais petit, c'était le foot spécial. C'est quoi, ça? Le foot spécial. J'y jouais avec mes grands cousins quand j'avais 8-9 ans. En plus, c'était tout le temps moi le gardien. Tu sais, c'est le truc où t'es attaché au poteau et t'as des saucisses autour du cou et le ballon, c'est un chien.